Pour moi, les Swiss Skills, ce qui est magique, c'est vraiment une préparation pour l'apprentissage en troisième année et c'est une compétition entre les meilleurs de la Suisse un peu. Ce que je ressens quand j'ai participé aux Swiss Skills, franchement, c'était que de la joie. Et après, il faut se concentrer, il faut y aller et on y va. Ce qui différencie Swiss Skills d'un salon traditionnel des métiers, c'est vraiment l'aspect compétition entre les participants, parce que normalement au Swiss Skills il y a que des stands et du divertissement, mais là on peut regarder les gens vraiment faire à 100%. C'est une grosse différence quand même. Ich kann also Posten vor den Leuten machen. Leute kommen gerne zuschauen und stellen ja manchmal Fragen über den Beruf und ich würde gerne also die Fragen beantworten. Also der Wettkampf war recht schwierig. Wir hatten immer zwei Posten, 75 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und jetzt bin ich gespannt auf das Resultat. Swiss Skills ist wirklich mega spannend. Für die, die in der Zukunft vielleicht haben die Chance zu teilnehmen, ich empfehle, ihr könnt gerne kommen, weil es macht wirklich mega viel Spaß und ihr könnt eure Bestes dann zeigen. Il fatto che a livello nazionale, per cui hai molto più persone, mentre nel Ticino hai i ticinesi, qua è a livello nazionale e è bello perché è veramente grande e anche noi abbiamo opportunità di vedere altro, cioè più o meno penso che anche quello, è l'esperienza di far vedere il nostro e vedere anche l'altro. Ce qui me rend spécial dans les Swiss Skills, c'est le fait qu'il y a beaucoup de métiers. C'est intéressant, c'est divertissant et ça fait découvrir plein de choses. Alors qu'est-ce que ça me fait de participer aux Swiss Skills? Qu'est-ce que je ressens? C'est que du bonheur. Ça fait plaisir de participer aux Swiss Skills. C'est super amusant. Ça fait du challenge et c'est super cool quoi. Alors les Swiss Skills et salons des métiers, je préfère les Swiss Skills parce qu'il y a plus de compétition et dans les salons des métiers, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment juste pour découvrir, il y a moins de métiers je trouve que dans les Swiss Skills. Donc les Swiss Skills c'est le top quoi.